Bonjour, on continue notre petite pochette bien-être. Vous vous rappelez, hein, voilà, on a fait la grande pochette là. Et cette fois-ci, on va faire la petite pochette, celle-ci là. Donc dedans, moi j'ai mis un sachet de thé et j'ai pu mettre deux petits chocolats de ce gabarit-là. J'ai pas pu en mettre trois parce que ça passait plus dans ma pochette après dans la largeur en fait. Ça faisait pas beau. Donc, il faut quand même que ça soit présentable. Voilà, vous voyez, là, ça passe. Dès que j'en mets trois, ça passe plus. Voilà. Donc voilà. Pour cette pochette, je vous conseille de faire avec du papier, soit du papier à imprimer, soit du papier des blocs, des nouveaux, des blocs. Et ben, ils viennent d'en remettre d'ailleurs, hein, ces blocs qu'on ne trouvait plus à un moment donné, blanc, craft, noir. Donc en le papier très fin de ce bloc-là. Parce que dès que vous passez en épaisseur, pour cette pochette-là, ben ça va pas du tout. Moi j'en ai fait. Et c'était vraiment pas beau. Donc du coup, j'ai pris un autre papier. Donc, moi, la pochette pour faire le même style, le même gabarit que celui-là. Hein, parce qu'après, suivant votre gabarit, vous faites comme vous voulez. J'ai pris 10 cm de largeur et 20 cm de longueur. Donc 10 sur 20. Je pose ma feuille. Alors, je vais essayer d'être. Voilà. Je pose ma feuille comme ça, devant moi. Je vais la plier, mais je vais la plier, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais la plier, je vais laisser 1 cm là au bout, à peu près. Donc je plie comme ça, je laisse à peu près 1 cm. Voilà. Moi, je fais au pifomètre. Donc là, j'ai à peu près, j'ai même pas 1 cm, hein, je crois. Alors, je plie. Je vais vous dire combien que j'ai à peu près, si vous voulez vraiment mesurer. C'est vrai que quand on démarre, des fois, ouais, il y a 0,5. Vous voyez, je suis loin des 1 cm. Hein. Voilà. Donc, j'ai laissé un petit rebord. Voilà, un petit rebord. Ce petit rebord, je vais venir le plier au-dessus de celui-là, au-dessus de ce que j'ai plié là. D'accord? Je le plie. Voilà, je viens le plier. Cette fois-ci, je viens mettre de la colle sur mon petit rebord et je le plie. Je le colle, je le plie. Donc, je mets de la colle. Si ça peut marcher, ça serait bien. C'est faux ça, hein? Ça marchait il y a 2 minutes quand j'ai fait ma pochette. Alors vous voyez, bon, je vais faire un aparté. Ou une aparté. Non, un aparté. J'ai acheté ces trucs-là. J'étais super contente. Hein. Il y avait une petite épingle dessus. Là, au-dessus, vous mettiez. Voilà, c'était le bouchon. Trop contente. Hein. Et en fait, l'aiguille du dessus, là, elle est partie. Mais en très peu de temps. Alors, j'étais un peu déçue parce que j'ai quand même payé ça assez cher. J'ai payé ça, je crois, 10 euros. Le flacon pour au résultat ben avoir un truc qui est même plus voilà c'est bon je l'utilise quand même mais je suis un peu déçue. J'ai un peu de mal à trouver des choses au niveau de la colle de précision là, j'ai un peu de mal hein, de trouver quelque chose qui fonctionne. Donc, revenons à nos moutons. Donc j'ai mis de la colle. J'ai mis 1 cm là, je les ai collés dessus et ça me fait ça, hein, voilà. Ça me fait un truc comme ça, d'accord? Cette fois-ci, en général, il faut bien attendre que ça soit collé, hein. Mais bon, là, en caméra, ça va être difficile. Cette fois-ci, je vais venir faire, je vais avancer un petit coup mon truc pour aller faire un deuxième pli. Vous voyez, je l'avance comme ça, je fais ça, hop, hop là, voilà, hop là, je regarde le pli que j'ai envie de faire. Vous voyez, hop, je fais comme ça là. Donc là, moi, je vais faire ce pli là et je plie. Je refais un pli.
D'accord? Donc, j'étais... Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir... Ouais, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Normal. Et hop, je prends mon papier et je le fais basculer, vous voyez, devant là. Comme ça. Et je regarde le pli que j'ai envie de faire. Donc là, moi, j'ai déjà fait mon pli. Et voilà. Et ça, c'est ça qui va vous donner les petits soufflets de côté, là. Ces petits trucs de côté, en fait. Voilà. Quand j'ai fait ça, donc je me retrouve comme ça. Ça, là, je vais le... Comment ? Le pli, le rentrer à l'intérieur. Je vais le rentrer comme ça. Hop. Voilà. Voyez ? Hop. Pareil de l'autre côté. Je mets mes doigts comme ça, là. Et je presse tout doucement. Puis ça vient tout seul. Voilà. Et voilà. Donc ça me fait. On en est là. On a plié. On a plié. Là, vous pourriez presque, à la limite, coller en bas et mettre deux petites anses. Et ça vous fait un petit... comment ? Un petit sachet. Mais là, c'est pas le... C'est pas la question... Enfin, on fait pas ça aujourd'hui. donc, après, quand on en est là, ben écoutez, c'est tout simple. En bas, vous allez plier ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous pliez, vous vous aidez d'un plioir, hop, pour bien écraser le papier. Voilà, j'ai plié, vous voyez, hop, le bas. Pour fermer ma... comment ? Pour fermer le bas, soit vous le fermez comme ça avec de la colle, mais moi j'ai mis du washi. Voilà, j'ai mis un bout de washi qui colle mon bas. Et puis, alors bon, il y a des fois c'est bien fait, puis des fois c'est moyen. Et au lieu de le couper, alors attendez, je vais vous montrer. Donc vous prenez votre washi, vous collez. Moi, j'avais mis dans celui de... Dans l'autre, j'avais mis de la colle parce que... Ben parce que les washi, c'est pas ça qui fait tenir. Et surtout, les washi d'action, voilà quoi. Hein. C'est du action, on va dire, voilà. Donc moi, j'ai fait comme ça. Bon, en sachant aussi... c'est une pochette éphémère, c'est-à-dire que quand elle sera ouverte, la personne ne va pas garder sa pochette. Hein. Voilà, moi j'aime encore bien les choses éphémères, voyez, parce que on peut pas tout garder de toute façon. Et puis c'est sympa sur l'instant, et puis après, ben faut passer à autre chose, moi je dirais. Voilà, tout simplement, comme dans la vie. Donc le washi, je le mets comme ça. Là, j'ai laissé un petit rebord et je le mets à l'intérieur dans ma fente là. Je l'insère à l'intérieur. Voilà, je l'ai inséré à l'intérieur, vous voyez. Après, si vous n'y arrivez pas, vous prenez un petit pic comme ça, et puis ou un ciseau, et puis vous vous aidez, une paire de ciseaux, puis vous aidez à votre petit washi à se mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, le bas... Eh bien, il n'y a plus qu'à faire le dessus. Alors, le dessus, moi, j'ai plié une fois, tout finement, finement. Tout petit filet, comme ça. Puis, pour ne pas voir ces trucs-là, eh bien, j'ai replié un coup. Hop là. Et voilà. Et soit vous mettez une agrafe, si vous voulez mettre des choses... Enfin, oui, soit vous mettez une agrafe, soit vous faites comme moi. Moi, j'ai mis une petite pince à linge parce que bon, j'en ai plein. Bon, c'est pas parce que j'en ai plein, c'est parce que c'est vrai qu'on les utilise jamais. Il y a plein de trucs qu'on n'utilise pas. Alors, c'est bien aussi d'utiliser aussi, quoi.
Et puis ça, donc moi j'ai mis ce washi-là, et au-dessus j'avais mis une petite bordure, c'est des petites tasses, c'est voilà, c'est pour prendre le thé, la tisane, le café, le ce que vous voulez, le chocolat. Et moi j'ai des petites étiquettes comme ça, j'ai une perforatrice étiquette, j'ai mis une petite étiquette où c'est marqué pour toi, une petite ficelle toute simple que j'ai mis comme ça, voilà, hop là. J'ai même pas collé, hein. Ça c'est, voyez, c'est, ça s'enlève avec la pince à linge. Hein. Ça se trouve, quand elle recevra, la personne, quand elle recevra le truc, tout va être parti, parce que ben, la poste, des fois, ils sont très, tellement, comment on pourrait dire, délicat, voilà, hein. Est-ce que c'est le mot juste? Délicat, que tout arrive, voilà, c'est vraiment n'importe quoi, hein, des fois la poste. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tuto, ben, vraiment mini-mini, vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour, eh ben, celle-ci de petite pochette. Voilà. Bon week-end à vous!